Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous faire une update sur ma formation à distance que je fais sur la couture. Donc normalement, c'est la numéro 2. Alors, de base, je voulais rassembler tous les cours que j'ai fait derrière moi. Mais j'ai 6 tomes à vous parler. Donc dans ma tête, je me suis dit 6 tomes ça va pas être possible, donc j'ai décidé de faire en deux parties. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler de 3 cours, donc de 3 tomes, et dans la partie 3, ça sera 3 tomes aussi, et ensuite il y aura sûrement la dernière partie qui sera la partie 4, où je vous parlerai des derniers cours de la formation et de la fin quand j'aurai mon certificat, etc. Bon, là je vous dis ça, mais actuellement j'ai pas encore terminé ma formation. Voilà, j'ai encore du boulot, bien évidemment, il me reste à peu près, je crois, 2-3 cours encore à faire. Et à faire au niveau des devoirs et à envoyer, etc. Donc j'ai encore un petit peu de boulot, on est d'accord. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du tome 8, du tome 9 et du tome 10. Mais bien évidemment, avant de commencer, pour les personnes qui voudraient savoir le haut que je porte, bon, le haut, c'est plutôt une robe que je porte actuellement. C'est une robe que j'ai fait au mois de septembre ou octobre. C'est un patron d'un Burda Easy. Je vous mettrai le lien du patron que j'ai utilisé, si j'oublie pas. Et après, niveau pantalon, c'est un legging que j'ai acheté chez Kiabi. Et c'est tout. Voilà pour ma petite tenue, hein, pour les personnes qui veulent savoir. Mais bon, normalement, vous voyez pas ce que je porte en totalité, mais bon. Voilà, je préfère quand même préciser. Et aussi, je vais vous raconter un petit peu pour les personnes qui tombent peut-être sur cette vidéo, mais ça va vraiment être un résumé. Je vais pas tout réexpliquer dans cette vidéo parce que sinon ça va durer 3 plombes. Donc je vous mettrai toutes les vidéos que j'ai déjà pu faire par rapport à cette formation. Bon, il y a certaines vidéos, j'explique pas très bien. Il y en a d'autres, j'explique un peu mieux. Donc essayez de regarder toutes les vidéos parce que c'est le seul conseil que je peux vous dire. Voilà, tout simplement. Pour le résumé, en fait, en juin 2020, ouais, dans la période, la première année où il y a eu le Covid, j'avais décidé de partir de mon boulot. Et en fait, tout simplement, en juin 2020, j'ai décidé de m'inscrire sur le site de la CNFDI, qui est en fait une entreprise qui propose des formations à distance sur plein de métiers différents, et il y avait bien évidemment des formations à distance, donc c'est surtout des cours à distance sur la couture. Et en fait, il y en a, si je dis pas de bêtises, 4, et j'ai pris la toute première formation qui proposait par rapport à tout ce qui était couture, mode, modélisme, etc. Et en fait, c'est la formation couture et assemblage, et ça parle de tout ce qui est vraiment les méthodes de couture, etc. Et les 3 autres, ça parle sur le stylisme et modélisme, donc vraiment les patrons faits sur mesure. Et en fait, vous en avez 3 différents parce que vous en avez un pour les femmes, un pour les hommes et un pour les enfants. Voilà, oui, ils auraient pu faire tout dans le même panier, mais je sais pas pourquoi, je pourrais pas vous dire, je travaille pas avec eux. Par rapport aux formations que vous pouvez trouver par rapport à la couture, bien évidemment, cette formation est payante, hein, bien évidemment, vu que c'est une entreprise, hein, ce n'est pas gratuit. Mais vous êtes suivi par un professeur, vous pouvez prendre une semaine de stage chez eux, mais ça se rajoute à la facture que vous pouvez payer sur 3 mois, 6 mois ou 12 mois. Moi, j'ai pris 12 mois, et entre-temps, j'ai terminé de payer ma formation, hein, puisque ça fait déjà de plus d'un an que je fais cette formation. Oui, je suis lente, vous pouvez le voir, hein, je suis très très lente. Je l'ai terminé de la payer en juillet 2021, donc ça fait vraiment pas très très longtemps. Mais en soi, vous payez, mais vous avez un suivi avec un professeur, vous pouvez lui poser des questions, chose que je ne fais pas beaucoup, parce que j'ai pris cette mauvaise habitude depuis que je suis à l'école, ne jamais demander de l'aide alors que j'en ai besoin. Cherchez pas, c'est moi. Après, comme je vous ai dit, vous avez l'option... Alors, il y a tous les camions, les tracteurs qui passent. C'est très pratique. Merci. Je sais pas si vous m'avez entendu entre-temps. Je disais que voilà, vous avez une semaine de stage. Mais comme je vous ai dit, ça se rajoute à la facture. Et la semaine de stage est très très chère. Ça se passe dans leurs locaux, si j'ai bien compris, à Brunois. Donc je crois que c'est dans la région parisienne. Comme je vous ai dit, si vous avez une question, vous pouvez toujours poser une question au professeur. C'est quand même plutôt bien au niveau de l'accompagnement. Si vous avez vraiment une question, si vous avez 30 000 questions à poser au professeur, allez-y.
Le seul truc que je peux vous dire, c'est que le professeur ne répond pas dans les prochaines heures. Il va vous répondre dans 3 jours, maximum. Je préfère vous prévenir. Déjà, un petit avis de ma part, etc. et de vous expliquer vite fait. Donc voilà, par rapport à cette formation, pour l'instant, je suis plutôt contente. Au niveau des cours, ça s'est plutôt bien passé. Là, au niveau des 3 cours que je vais vous parler dans cette vidéo, c'est surtout des devoirs pratiques. Donc, j'ai dû faire de la couture, etc. Et vous allez voir que par rapport au premier cours que j'ai fait au début, qui était vraiment des cours où il fallait réviser et répondre à des questions, j'étais meilleure sur ça. Clairement, sur les trucs pratiques, je suis un peu moins forte. Hein. Vous allez voir les notes, c'est pas ouf. Moi, je vais pas vous mentir, je me suis toujours contentée du peu. Parce qu'à l'école, c'était rare que j'avais des 20, des 15, des 18. C'était très très rare. C'était toujours soit en dessous de 10, ou soit c'était soit 10, soit maximum 11-12. Voilà, donc vous voyez, je me contente du peu depuis des années. Hein. On fait avec ce qu'on a aussi, tant qu'on y est. Et puis aussi, depuis que je fais cette formation, donc ces cours à distance sur la couture, ça m'a quand même permis de pas mal m'améliorer. Vous êtes beaucoup à me dire que je m'améliore de jour en jour, et merci beaucoup, c'est vraiment très très gentil. Mais je pense que c'est surtout le fait que je fais aussi ces cours à distance, d'avoir des renseignements, un peu plus de connaissances et tout, ça permet aussi un petit peu à savoir et tout. Mais je pense que c'est surtout grâce à ces cours-là que j'ai pu m'améliorer quand même assez rapidement, je pense. Parce que sinon, je pense que j'aurais pris 3 plombes pour comprendre un patron peut-être, hein, je ne sais pas. Mais grâce à quand même à ces cours-là, ça m'a quand même beaucoup beaucoup aidé à évoluer, ça c'est sûr. Bon, je vais arrêter avec mon petit résumé et de raconter ma vie, je suis désolée. Maintenant, on va pouvoir passer aux 3 tomes que je vais vous parler dans cette vidéo. Donc on va commencer par le tome 8 que j'ai fait, oula, je sais même plus. Ça date, hein, quand je l'ai fait, j'étais en Lorraine actuellement à ce moment-là. Donc je sais plus du tout quand je l'ai fait. Je vais voir si par rapport au devoir, j'ai une date. Bon, je pourrais pas vous dire pour la date, je l'ai pas noté, mais voilà, je l'ai fait il y a un petit moment maintenant. Alors, le tome 8, ça parle sur les coutures et spécificités. Donc j'ai tout noté sur un papier, mais j'ai pris aussi le classeur où il y a tous les cours. Les 3 tomes dedans, c'est très pratique. Donc pour la leçon 1, ça parle de tout ce qui est les coutures des cols, des manches, les pattes de boutonnage, les fermetures à glissière et les ceintures. C'était vraiment très très intéressant cette première leçon, vraiment j'ai plutôt bien aimé. Ensuite la deuxième leçon, c'est vraiment sur autre chose, c'est vraiment tout ce qui est un peu déco qu'on peut rajouter sur le tissu ou sur le vêtement qu'on a terminé. C'est tout ce qui est broderie, les ornements par fronçage et des ornements à ajouter. Pour la leçon 2, ça parle par exemple, je vais vous donner, alors la broderie, ils vous disent les fournitures, les différents points de broderie et aussi les jours. Alors j'ai fait les jours dans le devoir, comment vous dire, c'est le truc le plus long du monde. Vraiment, je préfère vous le dire. En soi, ça fait un joli rendu, mais il faut avoir la patience vraiment pour faire ça. Ensuite, au niveau des ornements par fronçage, on a les bouillonnets, les smocks et les ruchers. Alors, il faut savoir que les smocks, je crois qu'on peut les faire, vous savez, avec une bobine ou avec une canette de fil élastique. Mais je crois que cette technique-là, on les appelle les smocks. Mais si je me souviens bien, je crois que ça s'appelle surtout... Mais je crois, s'il n'y a pas de bêtises, normalement, on dit souvent les smocks, mais c'est pas vraiment ça. Mais en soi, oui, on peut appeler ça. C'est parce que en soi, c'est la même chose. Mais en soi, en réalité, les smocks, ça se fait avec des fils de broderie. Et j'ai fait ça aussi dans mon devoir. Voilà, j'ai dû m'entraîner, regarder des tutos, etc. Parce que vraiment, je galérais un petit peu. Je vous donne un petit peu un sneak peek du devoir que je devais faire. Et au niveau des ornements à ajouter, il y avait les fleurs en tissu, les nœuds, le lassage et les appliqués. Et en soi, c'était quand même pas mal. Après, il y avait une annexe pour réparer une déchirure à la main ou à la machine, réparer une couture, réparer une fente, réparer le tissu sous un bouton, etc. etc. Vraiment plein de petites choses en plus qui sont dans une annexe. Ensuite, on passe au devoir. Bien évidemment, j'ai fait les questions autocorrigées à chaque leçon. Je m'en souviens plus, mais je pense que ça a dû bien se passer. Hein. Si j'ai fait le devoir, c'est que j'ai dû réussir, hein, bien évidemment. Donc là, on va passer au devoir. Donc le devoir, c'était un devoir pratique, hein, bien évidemment. Et il demandait de faire plusieurs petits exercices. Alors, je sais plus combien.
Je crois qu'ils n'avaient pas demandé cet exercice. Ouais, cet exercice. Et aussi, ils demandaient de donner les définitions de chaque exercice. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, voilà, sur l'ordinateur, parce que je trouve que j'écris très mal. Donc, le premier exercice, c'était de faire une fermeture bord à bord. Bien évidemment, je vais tout vous montrer, parce que je les ai encore dans une enveloppe. Ensuite, on avait l'exercice 2, où je devais faire une fermeture sous patte. Voilà, je me souviens que la fermeture, je crois, sous patte, où c'était bord à bord, je me suis un peu foirée, je sais plus du tout laquelle. Je crois que c'était la fermeture sous patte, parce qu'il y avait un tuto sur l'espace élève. Parce que quand vous vous inscrivez, vous avez un espace élève, hein, bien sûr, pour envoyer vos devoirs, pour recevoir vos cours, etc., bien sûr. Et en fait, il y a des petites vidéos tuto couture pour faire une trousse, faire quelques fermetures. Je crois qu'il y en a que deux, donc vous n'allez pas aller très loin. Clairement, aller sur YouTube, ça va plus vite, hein, clairement. Mais je m'étais servi du tuto qu'il y avait dans l'espace élève, je crois, pour faire la fermeture sous patte. Si je dis pas de bêtises, ou soit c'est l'autre, je m'en souviens plus, je pourrais plus vous dire. Et je crois que c'était la fermeture sous patte, j'ai dû recommencer, je crois, plusieurs fois, je crois 2-3 fois. Mais à ce qui paraît, je m'étais quand même foirée, vous allez voir. Donc même en refaisant plusieurs fois, je suis pas très très douée, hein, comme on peut voir. Ensuite, le troisième exercice, on me demandait de faire plusieurs points de broderie sur un même carré. Donc on m'a demandé le point de chaînette, le point de tige, le point d'épine, le point du diable et le point de bourdon. Encore ça, je m'étais entraînée parce que j'avais acheté un kit pour la broderie parce que je savais que j'avais vu qu'il fallait un truc de broderie pour le devoir. Donc j'ai acheté sur Amazon, hein. Bien évidemment, ils vous fournissent pas avec le cours, hein. Ça aurait été sympa pour le prix, je vais pas vous mentir. Donc voilà, j'ai trouvé un kit vraiment complet sur Amazon que j'ai acheté en Amazon Prime. Je crois que ça coûtait peut-être 14-15 euros. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Si vous voulez essayer d'apprendre à faire la broderie ou même de vous lancer dans la broderie, pourquoi pas. Ensuite, le quatrième exercice était encore sur la broderie. Il fallait que je fasse une broderie, voilà, sur un carré et faire aussi le dessin. Je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si vous allez voir que ça va faire une mise au point, j'espère. Le dessin que j'ai fait, donc ça c'est la broderie que j'ai fait et je me suis inspirée de cette image là, voilà, tout simplement. Et après je devais écrire sur pour le devoir, je vais y arriver, il fallait que j'explique quel point j'avais utilisé. Il fallait que j'utilise au moins 5 points différents, je crois. 1, 2, 3, j'en ai pris 4, mais je crois qu'il devait, ouais, 4 ou 5 maximum, je crois. Donc moi j'ai fait le point de tige, le point de nœud, le point de bouclette et le point de passe-plat. Voilà, tout simplement. Ensuite on passe à l'exercice 5, les jours. Oh, c'était une galère, comme j'ai pu vous dire tout à l'heure. Vraiment, c'est hyper hyper long. En fait, vous dire la définition que j'ai mis. Les jours sont des vides pratiqués dans des étoffes où on le retire des fils ou l'écartement des fils. Quand vous entendez ça, vous vous dites « Ok, qu'est-ce que c'est ?» Vous allez voir, je vous mettrai même des photos quand je vous montrerai l'exercice que j'ai fait. Ensuite, nous avons l'exercice 6 qui était les smocks. Et ensuite, j'ai fait l'exercice 7, les appliquer. Pour les smocks, on nous avait demandé de faire 4 points de broderie pour les smocks. Différents. Donc moi j'ai fait le nid d'abeille, le point de tige, le point de chausson et le point arrière. Alors bien évidemment dans le cours c'est expliqué, mais moi je comprends pas grand chose quand c'est expliqué avec un texte. Donc j'ai dû aller voir sur YouTube pour trouver des petits tutos pour faire des smocks. Voilà, tout simplement. Et je me suis entraînée grâce aux vidéos sur YouTube. Merci YouTube. J'ai envie de vous dire. Donc je vais vous montrer les exercices que j'ai réalisés pour le devoir, hein. Donc je vais vous les montrer. Bon, je ne sais pas si je vais vous les faire dans l'ordre. Donc là, là, on a les appliqués. Alors comme vous pouvez le voir, elle met des petits mots directement sur le tissu. En fait, sur les appliqués, il fallait faire un appliqué cousu à la machine et un à la main. Bien évidemment, moi, je ne suis pas très très douée à la main, donc j'ai fait de mon mieux. Par exemple, elle a écrit « piquer bien régulièrement », ce qui est pas du tout mon cas. Voilà, tout simplement. Et pour celui à la machine, elle a écrit « Faites le même motif », mais ce n'était pas précisé dans le devoir, donc moi j'avais fait deux motifs différents, mais bon, c'est pas grave, donc je vous remontre un petit peu vite fait. Voilà, j'ai quand même fait de mon mieux, mais bon. Ensuite, on passe au fameux smock en broderie, qui est comme ceci. Alors oui, j'ai fait un peu à l'arc-en-ciel, parce qu'on nous avait demandé de nous amuser avec les couleurs, donc j'avais fait un peu en mode arc-en-ciel.
Voilà, tout simplement. Voilà, c'était un peu chiant à faire, mais en soi, ça, c'est joli. On va pas dire le contraire, mais bon. C'est pas du tout... Ah oui, bah, j'avais eu un petit post-it avec. Alors, c'est écrit, compris, enlever les fils de fronce une fois les points faits. Ça, je ne savais pas, donc bon, voilà. Mais en soi, j'ai compris, donc ça, c'est cool. Ensuite, on passe au fameux jour. Voilà ce que c'est. Voilà, en fait, vous devez vous amuser à enlever les... Comment dire? Vous devez vous amuser à enlever les fils qui vont dans ce sens-là, je crois, si je dis pas de bêtises. Et après, vous devez faire ça. Voilà. Je vous mettrai des photos à quoi ça ressemble vraiment des vrais jours sur des vêtements. Je pensais de base, quand... parce que je crois que j'ai une tunique comme ça, et je pensais que c'était comme de la broderie ou un effet de tricoté. Et en fait, non, pas du tout, c'est des jours. Et bah, les gens, ils doivent bien s'amuser à faire ça, parce que moi, j'ai pas eu la patience. Hein. Clairement, c'était long. Vraiment, c'était l'exercice que j'ai terminé en dernier, pour vous dire, hein, parce que vraiment très très long. Hein. Ensuite, j'ai fait ma petite broderie, qui m'a pris un petit peu la tête, je vais pas vous mentir, mais très simple, mais bon, après, j'ai testé, mais je kiffe pas plus que ça la broderie, hein, vraiment. C'est écrit bien, donc c'est cool. Ensuite, nous avons les différents points qu'on m'a demandé en broderie. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai eu tout juste, donc ça, c'est cool. Et je m'étais bien entraînée pour tous ces points-là, pour faire quand même un minimum bien quand même. Hein. Ensuite, on passe, je crois, à la fermeture sous-patte. Donc j'ai un petit papier, donc je vais vous dire, rallongez vos points, piquez bien droit, ce qui est vraiment pas mon cas, piquez au-dessus de la partie métallique, faites une patte plus large pour bien la piquer, faites un décalage en bas au départ. Voilà, bon, comme vous pouvez le voir, je m'étais entraînée et refait plusieurs fois, c'était pas encore ça. Donc voilà ma fermeture sous patte. Bon, j'ai fait de mon mieux, mais c'était pas encore ça. Donc voilà, et bien sûr, elle vous met des petites indications, etc., des petites flèches et tout, donc c'est vraiment bien. Ensuite, et le dernier surtout, c'est la fermeture bord à bord. Donc elle m'a dit de revoir, parce que ce qui paraissait, c'était pas ça. Et pourtant, j'avais cherché un tuto sur YouTube, mais c'était pas ça, à ce que je vois. Donc les deux bords doivent se toucher. La fermeture doit être cachée. La partie métallique doit être prise dans la couture, dessous. Donc voilà, mais comme vous pouvez le voir... Ce qui est bien, même si on fait des erreurs, le professeur nous explique comment il fallait faire. Donc ça, c'est vraiment bien. En soi, on paye, mais en soi, on a quand même des commentaires pour nous dire ce qui ne va pas, etc. Et ça, c'est vraiment, vraiment très très bien. Pour ce devoir, il m'a pris 2 semaines. Comment vous dire que vu que j'ai pas kiffé la broderie, bah, ça a été 2 semaines où je m'arrachais les cheveux. Voilà, tout simplement. J'ai pas trop kiffé ce devoir, hein, clairement. J'ai plus kiffé la partie avec les fermetures, même si je me suis foirée. Je pensais absolument que c'était ça pour la fermeture bord à bord, et en fait, pas du tout. Donc voilà, on apprend avec ses erreurs, bien évidemment. Je me dis pas que je suis parfaite, que je réussis tout dans la vie, absolument pas. Mais voilà, mais après, ça permet aussi de voir si j'ai compris ou pas. Et voilà, tout simplement. Après, j'ai eu, pour ce devoir, 13,5 sur 20. C'est pas énorme, mais je trouve ça très très bien pour une personne qui a pas kiffé faire les smocks, la broderie et les jours. Hein. Clairement, ça, j'ai vraiment pas du tout, mais alors pas du tout aimé. J'ai même pas envie de réessayer la broderie, pour vous dire. Donc voilà. voilà, j'espère que la mise au point se fait bien. Je l'espère, je croise les doigts. Maintenant, passons au tome 9. Donc le tome 9, c'est sur le thème du modélisme. Alors encore, ce cours-là, c'est pas le plus pire. Hein. Mais le deuxième, ça sera dans la prochaine vidéo. Je suis désolée de vous faire patienter. Donc pour le tome 9, comme je vous ai dit, c'est sur le modélisme, mais c'était surtout le modélisme pour faire les patrons sur mesure pour les jupes, les pantalons et les ceintures. Pour les patrons sur mesure, pour faire tout ce qui est chemisier, veste, etc., c'est dans le prochain cours, donc dans la prochaine vidéo, que je préfère vous dire que le tome 11, je l'ai détesté. Voilà, je peux juste vous dire ça. Mais encore, le tome 9, je l'ai un peu détesté aussi, mais maintenant que j'ai fait le tome 11, je préfère celui-là.
je préfère vous dire. Après, je préfère être claire avec vous parce que vraiment, j'ai vraiment pas du tout aimé le tome 11. Encore le tome 9, je l'aime énormément, hein, à côté. Donc, pour ce tome 9, il y a deux leçons. Donc, la première leçon, c'est les bases avant la conception du patron. Donc, on va vous parler d'analyser le vêtement, de lister les détails que vous voulez mettre sur votre vêtement, etc. Ensuite, faire un croquis, donc faire un dessin à plat. Donc, si vous êtes doué en dessin, c'est très très bien pour vous. Moi, j'ai un peu galéré à faire un dessin, je vais pas vous mentir, parce que c'est vraiment pas trop mon truc. Ensuite, il vous parle de prendre les mesures et créer un tableau de mesures. Ensuite, il vous parle des bons outils, les bases et les conseils. Ensuite, il vous parle des indications à porter sur le patron, lexique de modélisme et de géométrie, la liste des crans de repérage, les valeurs de couture, etc. Voilà. Et ensuite, vous avez les questions autocorrigées à faire vous-même, bien sûr. Ensuite, la deuxième leçon, c'est sur le modélisme, comment tracer un patron. Et là, on va vraiment avoir les étapes pour faire une jupe, un pantalon et les ceintures. Et vraiment, c'est plutôt bien expliqué. Après aussi, faire les patrons de modélisme, hein, donc vraiment les patrons sur mesure, jupe et pantalon et même ceinture, c'est vraiment, je dirais, ce qui est le plus facile en fait en modélisme, hein, vraiment. Et après ensuite, vous avez les questions autocorrigées. Ce cours, en soi, ce cours était plutôt bien, était plutôt très très sympa, j'ai envie de dire aussi. Donc vraiment, rien vraiment à dire sur ce cours-là. Il est vraiment plutôt complet, à part un truc que vraiment j'aurais dû poser la question au professeur, mais j'ai pas posé la question au professeur et je me suis énervée, je me suis mise à pleurer. Pour rien du tout, et des fois, maintenant, quand j'y pense, j'ai envie de me foutre une claque, hein, parce que je m'énerve, hein, vraiment. Je sais pas si vous, ça vous arrive, mais est-ce que vous, ça vous arrive, surtout, bah, d'avoir envie de vous foutre des claques. J'espère que je suis pas la seule, parce que vraiment, vraiment, à ce moment-là, j'avais envie de me taper, quoi. Je me suis dit, ouais, y a pas la réponse au cours, bah, demande au professeur, bah non, j'ai pas eu ça, quoi. Et même ma mère m'a dit, pourquoi t'as pas demandé au professeur? Je cherchais à comprendre. Je vous dis, hein, j'ai pris cette mauvaise habitude de jamais demander de l'aide à personne. Et ça, c'est pénible, parce que la plupart du temps, j'ai toujours besoin de quelqu'un. Je sais pas pourquoi, bon. C'est comme ça, j'ai pris cette mauvaise habitude. Pour le devoir, je devais faire un patron de jupe évasée, donc avec mes propres mesures, etc. Donc en soi, j'ai fait le patron de la jupe, donc de la base de la jupe, etc. J'ai fait les modifications de tout ce qui était évasé, etc. Donc là, tout se passait bien. J'ai fait les pinces et tout, donc les pinces devant, les pinces dos, etc. Et ensuite, j'ai décidé de faire une première toile, donc dans un vieux drap, voilà, que ma maman m'avait passé. Donc pour essayer, pour voir si au niveau de la jupe, ça me va, ça me taille bien à la taille, etc. Donc j'ai fait, donc bien évidemment, cette première toile, j'ai cousu, etc. C'était nickel. Nickel, j'étais super contente de moi, ça m'allait super bien, j'étais super contente. Et ensuite, dans le devoir, c'est écrit comme quoi on doit enlever 5 cm en haut de la jupe pour la ceinture. Le truc, c'est que ils ne disent pas pour les pinces s'il faut les rallonger, s'il faut les enlever, s'ils disent rien du tout. Et c'est en fait, c'est ça qui m'a énervée, c'est ça qui m'a pris la tête, c'est ça que j'aurais dû demander au professeur et je ne l'ai pas fait. Maintenant, je le regrette, hein, clairement, voilà, et tout. Mais après, m'être énervée et d'avoir pleuré un bon coup, parce que après j'avais réessayé de refaire la jupe, mais dans le tissu final. Lol, bah non, j'ai pas eu une chance inouïe sur le résultat final, parce que après, quand j'avais vu que le patron m'allait bien, je me suis dit, bah maintenant je vais enlever les 5 cm en haut de la jupe pour ensuite faire la ceinture. Alors déjà, la ceinture, il fallait faire une ceinture en forme. Et moi, je n'ai rien compris à faire pour faire la ceinture en forme. Et je pense que c'est pas le truc le plus dur au monde, mais je n'ai rien compris. J'ai même regardé sur internet et j'avais rien compris. Vraiment, je trouvais rien sur YouTube, hein, parce que moi, j'arrive mieux à comprendre avec des images ou avec une vidéo. Et là, je n'avais rien trouvé sur YouTube, donc j'étais vraiment désespérée. Donc voilà, même ma maman m'avait aidée à un moment pour cette fameuse ceinture, parce que vraiment, moi, j'arrivais pas à comprendre comment on arrivait à faire la ceinture. Maintenant, j'ai compris et maintenant, je m'en veux un peu, mais bon, vaut mieux tard que jamais, j'ai envie de vous dire. Donc. Mais c'est vrai que
au niveau de l'indication pour la ceinture, c'était vraiment pas ça. Et en fait, quand j'ai fait cette fameuse deuxième jupe qui devait être la jupe finale pour le devoir, qui malheureusement n'était pas du tout envoyable, hein. Clairement, je pouvais pas du tout envoyer ça, c'était catastrophe. Parce qu'en fait, vu que j'avais enlevé les 5 cm en haut de la jupe, j'avais pas modifié les pinces. Je me suis dit, vu qu'ils le disent pas dans le cours, c'est qu'on doit pas modifier les pinces, je m'étais dit. Donc je garde les petits morceaux rikiki de pinces qui me restent sur la jupe. Je couds, je fais la jupe, etc. Et quand je l'ai terminée, j'ai fait bien évidemment une fermeture invisible au niveau de la jupe, etc. que j'ai quand même pas mal galéré à faire. Et ensuite, je viens pour enfiler la jupe. Et malheureusement, la jupe est devenue trop large. Voilà, elle n'était plus du tout comme celle du début hein, de ma toile où j'avais pas du tout enlevé les 5 cm pour la ceinture. Voilà. Donc à ce moment-là, je me suis mise à m'énerver, je me suis dit, mais punaise, mais pourquoi ça fait ça, je comprends pas, etc. machin gna et tout. Donc bien évidemment, quand je suis en colère, je pleure un bon coup parce que sinon ça ne passe pas. Hein. Si je pleure pas, j'y suis encore pour une semaine là-dessus. Hein. Je tiens à préciser. Hein. Laissez tomber, il faut que je lâche prise, je n'ai pas le choix. Donc je pleure, c'est pas grave, hein, comme on dit. Vaut mieux pleurer, on pissera moins, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est une expression qu'on m'a toujours dit quand j'étais gosse. Hein. Et ensuite, ma mère m'a vu que je pleurais, donc elle m'a dit arrête de pleurer, calme-toi, on va trouver une solution, on va réfléchir, etc. Donc j'ai arrêté de pleurer, je me suis dit, vu qu'ils disent rien pour les pinces, tant pis, je vais les rallonger un peu plus bas sur la jupe. Tant pis, c'est pas écrit dans le cours. Je vais faire comme ça. Alors peut-être que le professeur m'aurait dit ça et j'ai tout compris, mais bien trop tard, bien évidemment. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, j'ai refait le patron de la ceinture en forme parce que, si j'ai bien compris, c'était pas vraiment ça. Bref, j'ai fait de mon mieux en fait, tout simplement. Et ensuite, j'ai dû racheter du tissu à Mondial Tissu. Donc j'ai acheté un tissu popling qui est très joli. J'ai fait encore une fois, une troisième fois ou une deuxième fois, comme vous voulez. Une jupe, et là, elle était plus potable, hein, vraiment, elle était portable, vraiment, et elle m'allait bien au niveau de la taille, etc. Donc vraiment, nickel. J'avais vraiment rien à dire, j'étais vraiment contente de moi. Donc je me suis dit, cool, si j'ai pas une bonne note, je comprends pas. J'envoie le devoir, etc. Et bien évidemment, j'ai pas une note... Waouh, je m'attendais à mieux, hein, clairement. Mais voilà, j'ai eu 11,5 sur 20. Ce devoir m'a pris, je pense, à peu près 2 semaines environ, à peu près. C'est vrai que quand j'ai vu le 11,5, j'étais un peu déçue. Je vais pas vous mentir, hein, parce que quand même, j'étais plutôt fière de moi, de cette jupe. Hein, quand même, j'avais mis quand même toutes mes tripes sur cette dernière jupe parce que je voulais vraiment envoyer un truc potable, quand même. Non, j'ai eu 11,5. Alors, je vais vous lire le commentaire du professeur, ce qui laisse toujours un commentaire pour le... sur le devoir. Je crois que je ne vous l'ai pas lu pour l'autre devoir, je suis désolée. Au moins, vous dire ce que le professeur m'a mis pour ce devoir-là, au moins. Alors, 11,5 sur 20. Donc, l'évasement est compris, le montage est soigné, mais la ceinture n'est pas en forme et vous avez un gros décalage au milieu d'eau. Donc, je ne savais pas du tout qu'il y avait un gros décalage. Ah si, je crois que si, il y avait un décalage au niveau de la ceinture. Donc, voilà. N'hésitez pas à refaire cet exercice pour bien maîtriser la ceinture. Comme vous pouvez le voir, le professeur ne vous rabaisse pas. Il vous encourage, même si vous n'avez pas eu une note waouh, bien évidemment. Mais en soi, je trouve que ça fait un peu cher payer la ceinture en forme et le gros décalage. Quoi. C'est le seul truc que je me suis dit quand j'ai vu... Le petit commentaire du professeur, je me suis dit, c'est quand même cher payé à la ceinture en forme, donc bon, tant pis. Mais après, il faut essayer de voir quand même le positif. On me dit que j'ai quand même compris l'évasement, le montage est soigné et tout. Et on me dit de refaire si j'ai envie et pour bien maîtriser la ceinture, etc. Et je trouve ça quand même bien parce qu'il y a des professeurs, ils vous mettent rien des fois. Ils vous mettent juste la note, ils vous disent « Ouais, c'est pas terrible, refaites, machin, gna. » Là, vraiment, je trouve que c'est quand même plutôt sympa, c'est vraiment très gentil, ça donne envie de se surpasser et je trouve ça quand même sympa. Pour moi, je trouve que
à chaque fois, le professeur laisse toujours des bons commentaires et c'est bien. Parce que quand on a un professeur et qu'il vous met un commentaire, comme je l'ai dit, plutôt négatif, bah, vous allez voir que le négatif. Et ça, c'est pas terrible. On est d'accord. Et surtout que bah, on fait tout, toute seule à la maison. On n'a pas de professeur à côté de nous. Même si on peut poser une question, bah, on n'a pas tout de suite la réponse, par exemple. Donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Donc je trouve que c'est quand même sympathique quand même de la part du professeur de nous mettre un peu de positif, même si la note n'est pas non plus exceptionnelle. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Donc voilà pour le petit commentaire par rapport au professeur. Et bien sûr, il vous envoie la correction type hein, du devoir, mais vu que c'était un truc à faire soi-même, donc c'était de la couture, ils ne peuvent pas vraiment vous mettre un truc type, à part ce qu'il fallait mettre dans le devoir, parce que... En plus de faire la jupe, il fallait expliquer et tout, faire un dessin, etc. Là, je vais vous montrer. Après, elle vous met des petits commentaires sur ce qui ne va pas, etc. Donc, voilà, moi, j'ai pas très, très bien fait les devoirs. Elle m'a expliqué pour faire la ceinture, etc. Après c'est tout. Hein. Après, il fallait faire des photos. Donc, je vais vous montrer. Voilà, faire des photos portées. Et les imprimer et les envoyer, hein, bien sûr. Donc voilà pour la jupe que j'ai pu faire. Mais je vous mettrai les photos directement dans la vidéo. Tout d'un coup, j'ai chaud. Je sais pas pourquoi, je suis rouge comme une tomate. Excusez-moi. En soi, il n'est pas si terrible que ça. Parce que faire le patron sur mesure d'une jupe, c'est pas si compliqué. Vraiment, je vais vous montrer. J'ai sorti le patron de la jupe que j'ai fait pour le devoir. Bon, j'ai la ceinture qui s'est cassée la gueule, mais vu que c'est pas ça, on va pas vous la montrer. Hein. Donc, hop, voici un patron, voilà, que j'ai pu faire pour la jupe. Voilà, alors pour les personnes qui veulent savoir, j'ai utilisé du papier cadeau. Hein. Je me suis pas trop cassé la tête, clairement. Ça, c'est, par exemple, ça, je crois que c'est le dos. Et pour le devant, c'est l'autre, je vais vous montrer, qui est comme ceci. Voilà. Et en soi, c'est plutôt bien expliqué. Hein. Le seul truc que voilà, j'avais pas compris et que j'aurais eu la jugeote de demander au professeur, comme je vous ai dit, bah, c'était par rapport déjà aux pinces et aussi à la ceinture en forme. On est d'accord. J'aurais dû faire cet effort-là, mais bon, quand je suis têtue, je suis têtue. Ne cherchez pas, c'est comme ça. Et maintenant, je vais passer au dernier tome qui est le tome 10. Alors, le tome 10, c'était sur le thème du patron, donc les patrons du commerce ou les patrons que vous pouvez... trouvé sur internet, hein, donc aussi du commerce, hein, parce qu'en soi, on les achète. Donc, au niveau de la première leçon, on va nous parler du béaba du patron. Donc, le béaba du patron, c'est tout ce qui est définition, les étapes, les éléments d'un patron, la prise de mesure, parce que c'est très important de prendre les mesures. Au début, je ne savais absolument pas, je ne vais pas vous mentir. La coupe des pièces d'un patron et la coupe du tissu. Donc, vraiment, le truc assez... Oui, le béaba du patron, on va pas se mentir, oui, c'est un peu ça, on est d'accord. Et ensuite, bah, vous avez les questions auto-corrigées, bien évidemment, comme à chaque fois. Et ensuite, la leçon 2, c'est les mots-clés pour comprendre un patron. Donc, ce qu'on nous disait, c'était le tissu, le thermocollant et autres mots. Donc, je pense que la plupart, c'était des définitions. Pour la leçon 2, comme j'ai dit, bah, en fait, vraiment, c'est vraiment des mots-clés. Alors, quand ils disent mots-clés, en fait, c'est surtout plein de définitions. Vous avez surtout des définitions par rapport au tissu. Donc, tissu éponge, tissu floc, tissu fourrure, tissu gaufre. Tous les trucs comme ça, bien évidemment, avec la définition. Ensuite, c'est la même chose pour tout ce qui est thermocollant. Donc thermocollage, donc toile thermocollante, entoilée par thermocollage par exemple, le renfort, etc. Ensuite, on vous explique un peu comment est fabriqué le thermocollant dans le cours, etc. À quoi ça sert, sur quel support on peut utiliser. Donc ça, c'est plutôt sympa à savoir, surtout sur le thermocollant. Et après, ensuite, on a d'autres mots sur différentes techniques de couture. Donc c'est vraiment sympa. Vous apprenez quand même pas mal de choses. On a voilà les crantés, coulisses, arrondir, assembler, bâtir, biais, broder, boutonnière, plein de trucs comme ça. Et c'est vraiment pas mal, c'est vraiment sympa à découvrir vraiment certains trucs. Si un jour, bah voilà, vous avez fait un vêtement et vous savez pas du tout comment ça s'appelle, vous vous en souvenez plus, que vous regardez ce cours-là, bah ça peut être sympa.
j'ai envie de dire. Donc voilà pour la leçon 2, parce que c'est vrai que avec le résumé, ben, c'est un peu compliqué à expliquer. Donc j'ai été voir directement au niveau de la leçon 2. Et vraiment, ben, c'est pas mal, je trouve, quand même, cette partie-là, d'avoir plein de petites définitions sur, sur différentes techniques ou sur différentes choses, que ce soit sur le tissu, thermocollant, etc. Donc ça, c'est vraiment bien. Au niveau du devoir, alors le devoir, c'était assez simple à faire, parce qu'en soi, il nous demandait de choisir un patron du commerce d'une jupe droite. Bon, vu que moi, je suis pas très fan des jupes, je vais pas vous mentir que j'en avais un peu ras-le-bol, hein, des jupes, déjà une jupe pour le devoir du modélisme et encore une jupe directement pour le devoir sur le patron, quoi. Au bout d'un moment, j'en avais un peu marre, je vais pas vous mentir, hein. Mais bon, j'ai quand même trouver un patron d'une jupe. Je vais pas vous mentir qu'une jupe droite, c'est quand même facile à faire. On n'a pas vraiment besoin d'un patron pour faire une jupe droite. Mais moi, on m'avait demandé dans le devoir de prendre vraiment un patron d'une jupe droite du commerce. Donc ça a été un petit peu compliqué à chercher un patron. Donc j'ai cherché sur internet pendant quelques jours. Même mon frère, il m'a aidé, pour vous dire, à chercher un patron sur internet pour une jupe droite. Voilà, alors que c'est vraiment pas du tout son domaine et tout. À un moment, je me suis dit, bah, je vais regarder dans mes magazines, parce que j'ai quand même pas mal de magazines, hein. J'ai beaucoup de Burdaisy, de la Maison Victor, j'ai des Modes et Travaux, j'ai deux, trois... Non, je crois que j'en ai que deux, des magazines Coudre c'est facile et tout. Je me suis dit, dans tous ces magazines là, si je trouve pas un modèle d'une jupe droite, vraiment j'ai pas de bol. Et j'ai regardé, je crois que j'avais trouvé deux modèles de jupe droite, un dans un mode des travaux, mais je le trouvais un petit peu trop travaillé, je crois qu'il y avait une doublure et tout, et c'était pas vraiment ce qu'on me demandait, un truc comme ça je crois. Et j'ai trouvé un modèle de jupe droite dans un magazine de la Maison Victor, donc c'est la jupe Martina qui est comme ceci. Donc voilà, en fait c'est une jupe droite et fendue, parce qu'en fait il y a une fente. Après, eux, ils ont fait la jupe dans un simili cuir, moi j'avais fait dans un tissu wax, que je voulais un peu de couleur. Je crois que j'avais fait ça, je crois, au mois de juin juillet, un truc comme ça. Non, pas du tout, je crois que je l'avais fait peut-être mai-juin plutôt, mai-juin, un truc comme ça je crois, ou c'était plutôt début juin, je sais plus du tout. Et je l'ai fait en taille 38, difficulté 2. Il y avait une fermeture un peu bord à bord dans le dos, il y avait des pinces dos, pinces devant je crois, il y avait une fente, bon la fente était assez facile à faire, et il y avait une espèce de ceinture, mais c'était une ceinture qui ne se voyait pas vraiment, qui se repliait un peu comme une parementure. Et je crois que je vous avais fait un vlog 100% couture sur cette jupe, je suis plus sûre à 100%, il faudrait que je regarde. Mais normalement, je crois que je vous ai fait un vlog 100% couture l'année dernière dessus. Je suis pas sûre, faut que je regarde, mais je crois que oui. À vérifier, hein. On est d'accord. Donc pour ce devoir, bah, ça m'a pris, je dirais, pendant tout ce qui était couture, hein, par recherche de patron, etc. Ça m'a pris une semaine, donc en soi, ça va. La jupe, en soi, était plutôt facile à réaliser. Je me suis pas vraiment pris la tête plus que ça. Donc ça a été, j'ai quand même pris du plaisir pour cette jupe. Pour la note, pour les personnes que ça intéresse, j'ai eu 15 sur 20. C'est quand même pas mal, on remonte un petit peu. Je vais vous donner un petit peu le commentaire du professeur. Ah oui, il y a un autre truc aussi dans la leçon 2 que je vous en parlerai juste après. J'ai complètement oublié de vous en parler. C'est super pratique, j'ai pas eu le temps de lire ça, mais je trouve ça super. Donc pour le devoir à envoyer à la correction... Donc, il nous demandait de répondre au questionnaire, de faire la jupe et d'envoyer trois photos portées de la jupe. Donc, pour le petit mot, le commentaire du professeur avec la note, donc 15 sur 20, travail soigné, quelques détails à améliorer, fermeture, retouche, réglage du point. Voilà, en soi, c'est quand même pas mal. C'est très très bien. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait. Donc, voilà. J'ai fait du petit collage, comme vous pouvez le voir. Voilà. Après, j'ai dû voilà, répondre à certaines questions. Il y avait combien de questions? 11 questions. Et voilà. Et ensuite, bah, j'ai fait. J'ai mis les photos. Voilà. Comme ça. Et à la fin, j'avais mis
les petites étapes du vêtement qu'il y avait dans le magazine. Voilà, je me suis dit ça peut peut-être intéresser pour qu'elle puisse voir un peu comment ça s'était passé. Et si j'ai dû le faire au mois de juin parce que ils mettent toujours un petit tampon quand ils reçoivent mon devoir, et là ils l'avaient reçu le 28 juin. Donc ouais, c'était bien au mois de juin que j'avais fait cette jupe. Et ils mettent corrigé type, mais comme vous pouvez le voir, bah y a rien. Et comme je vous ai dit, bah en soi c'était plutôt un devoir assez sympa. Après en soi j'ai l'habitude de faire des vêtements maintenant, donc c'était assez facile entre guillemets de faire cette jupe en soi, parce que je savais déjà quand même pas mal de choses quand j'avais fait ce cours là. Et d'apprendre plusieurs trucs différents que je connaissais pas, c'est aussi quand même pas mal. Et je vous avais dit avant de vous parler du commentaire du professeur, je vous avais dit que j'avais oublié de vous montrer un truc. En fait, c'est ça. Je sais pas si vous allez voir. Là, je vous ai pris une fiche au pif. Hein. Et en fait, c'est juste après la leçon 2, en fait. Hein. Je crois que c'est même juste après les questions autocorrigées, je crois. Je vérifie une seconde, je reviens. Alors non, c'est pas juste après les questions autocorrigées. C'est un complément sur les tissus. C'est des fiches techniques, en fait. Là, par exemple, je vous ai pris une fiche technique sur l'élastane, qui est très connue, hein, parce que c'est grâce à ça qu'on a les tissus extensibles. Et en fait, ils vous disent la formule chimique, on a les propriétés. Là, on a la suite. Par exemple, derrière, ils nous donnent l'emploi. Donc, par exemple, le tissu est tulle extensible pour tissu maillot de bain, mono ou multifilament, filet guipé, filet âme. Voilà, tous des trucs comme ça. Ils vous disent que vous devez laver à température maximale 40 degrés. Vraiment plein de trucs comme ça. C'est vraiment sympa. J'ai pas pris le temps de lire. Ouais, je sais, je suis nulle. Voilà, mais j'avais lu un petit peu quelques fiches et tout. Et c'est vraiment super sympa quand même. Et vraiment, ça va me servir vraiment quand j'aurai besoin d'acheter un tissu ou de savoir à quel degré je dois laver ça. Et c'est vraiment sympa. Je voulais vous montrer ça parce que j'avais complètement oublié qu'il y avait ça. Et par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Parce que vu que j'ai un peu terminé de vous parler de mon devoir, si j'y arrive. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a sur la laine. Au début, on a un truc alphabétique. En fait, vous avez toutes les familles et tous les noms des matières, des fibres qu'on peut avoir dans la couture. Et vous avez des artificiels, naturels, synthétiques. Il n'y a pas beaucoup de naturel, hein. Il y a plus de synthétique que d'artificiel, je préfère vous dire. Donc ça fait énorme, on est d'accord. On a le cétate de cellulose, acrylique, chlorofibre, coton, cupro, élastane, élastodienne, juste, de la laine, du lin, modacrylique, modal, mohair, polyamide 6, polyamide 6-6, polyamide 11, polyamide quinia, je sais pas comment ça se dit, polyamide thermostable kermel, polyamide thermostable nomex, polyester, polypropinel, je vais y arriver, soie, triacétate de cellulose, viscose et viscose de haute tenacité. Il y en a là-dedans, il n'y a pas à dire. Hein. C'est un peu compliqué à dire les mots, mais je suis désolée. En fait, ils vous apprennent vraiment plein de choses sur chaque fibre, et ça, c'est pas mal. Surtout sur les moins connus. Après, on a le coton, mais il n'était pas dans la liste à ce que je vois. Ça ne me dit rien, j'ai dû le dire, mais je m'en souviens plus. Voilà, par exemple, le jute, je connais pas du tout, par exemple. Donc, voilà. Ils vous donnent vraiment plein de petits trucs sympas. Vraiment, il vous donne aussi les codes d'entretien de chaque article, de chaque tissu différent. Vous savez, c'est les petites bassines ou le fer à repasser ou la machine à laver. Vous savez, on a toujours ça quand on achète un vêtement. Bah, c'est ça en fait, hein, tout simplement. Vraiment très très sympa ce cours par rapport à tout ce qui peut être sur les fiches techniques ou même sur le patron. C'est vraiment très très intéressant. Donc moi, j'ai bien aimé ce cours. Vraiment. Et voici tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Il n'y a pas de problème, je peux y répondre, il n'y a pas de souci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine.